Hello, toujours Cathy. Là, je vais vous montrer sur ce petit tutoriel un petit peu comment préparer votre interface d'Internet Explorer et notamment afficher toutes les barres des menus que vous n'avez pas forcément sur Internet Explorer dès le départ. Je vais donc lancer Internet Explorer sur ma barre de tâches ici. Je clique avec le bouton gauche et je lance Internet Explorer. Et le voici, je vous ai déjà dit que pour quitter, c'était la petite croix, réduire le niveau inférieur et réduire votre page web afin de la mettre en attente sur la barre de tâches. Voilà donc comment se présente dès le départ Internet Explorer. Vous avez donc ici la barre d'adresse afin d'accéder à un site web qui est déjà connu. Et ici les onglets, ce que je vous montrerai un petit peu plus tard. Mais avant toute chose, nous allons donc afficher les menus contextuels afin d'afficher et préparer un petit peu notre Internet Explorer en faisant ici, dans la barre bleue tout en haut, un clic droit avec le bouton droit de la souris et vous avez un menu contextuel qui s'affiche. Nous allons donc pouvoir afficher avec un clic gauche ici la barre des menus que vous voyez ici, fichier, édition, affichage, favoris et outils. Il arrive parfois que celles-ci disparaissent, car de temps en temps, il arrive sans faire exprès de faire un clic droit et un clic gauche sur barre de menu et elle disparaît. Je vous conseille donc de la laisser pour la remettre, de faire un clic droit et afficher clic gauche, barre de menu et de la laisser ici afin de la voir. Vous pouvez aussi faire un clic droit, barre des volets de favoris, clic gauche ici. Et vous la voyez ici, ceci nous permettra ainsi de créer des dossiers et de pouvoir mettre nos favoris que je vous expliquerai un petit peu plus tard. Sans faire exprès, il peut arriver de faire un clic droit et un clic gauche. Comme vous pouvez le voir, volet des favoris disparaît. Clic 3, clic gauche, volet des favoris et vous l'affichez de nouveau. Sans aucun souci, je vous montrerai la même chose sur Mozilla Firefox. A tout de suite, à bientôt.